بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله جل وعلا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهرون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم والشرار هم محدثاتها وكل محدثة بدعة On va reprendre ici le livre sur l'invocation. On va continuer le chapitre qu'on avait entamé hier, pour ceux qui ont suivi. Donc, sur les erreurs susceptibles d'entacher l'invocation. On en avait énuméré 13. On reprend donc logiquement avec la quatorzième. Il y en a 29 comme j'avais dit en fin de cours. Quatorzièmement donc, parmi les erreurs, le manque de respect dans l'invocation. Il faut certes éviter d'user de termes qui ne est point à la grandeur d'Allah, ou qui expriment le manque de courtoisie vis-à-vis d'Allah, À titre d'exemple, on doit donc éviter des propos tels que ⁇ Oh Allah ⁇ pour l'invoquer ⁇ Oh Allah ⁇ le créateur des serpents, des scorpions, des ânes. Même si effectivement, Allah, il est le créateur de toutes choses. Hein, des serpents, des scorpions et des ânes. Mais on ne va pas l'invoquer de cette manière-là. Al-Khattabi, il a dit en effet, il est malséant de dire, Ô seigneur des chiens, ô seigneur des singes et des porcs. Cela vaut pour tous les noms d'animaux qui ont une connotation péjorative. Mais bien entendu, il va de soi qu'Allah est le seigneur de tous les êtres qui sont sous son joug. Il faut donc s'efforcer, s'efforcer d'observer les règles de bienséance lorsqu'on invoque son Seigneur et éviter toute inconduite à son égard, car face à lui le fidèle ne doit adopter qu'une posture d'humilité et de soumission. Et encore une fois, el Khatta a dit par ailleurs, prenons comme exemple un serviteur du roi lorsqu'il se présente devant ce dernier, pour lui exposer un besoin ou pour lui demander une aide. Il use certes d'un langage des plus soignés et des plus éloquents. S'il ne procède pas ainsi, le roi pourrait ne pas l'écouter et opposer une fin de non-recevoir à sa doléance. Que dire alors du Seigneur de la puissance lorsque son serviteur, d'une position de soumission et d'humilité, se présente devant lui pour l'invoquer Lui dont nul ne saurait chanter la louange comme il se doit. À ce propos, le messager Élulallah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait l'invocation suivante. Wa'awubika minka. C'est-à-dire, je me réfugie auprès de toi contre toi. La ouhsi fanaan Je ne puis parfaire l'énumération de ton éloge. Antakama alla nefsik. Tu es tel que tu t'es loué toi-même. Toi-même nefsik. Non. Je répète. Je me réfugie auprès de toi contre toi. Je ne puis parfaire l'énumération de ton éloge. Tu es tel que tu t'es loué toi-même. minka la Gloire à Allah qui a considéré l'impuissance des créatures à le remercier et à le glorifier comme remerciement et louange de sa part. Fin de citation. Quinzième erreur invoquer Allah dans l'intention de le tester entre guillemets. Et personne ne peut. Tester Allah. Personne ne va aller tester Allah. C'est lorsqu'on dit par exemple, je vais tenter et invoquer Allah pour voir si ma demande sera exaucée ou pas. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est un manque de respect. Hein je vais essayer et voir si Allah peut répondre à une invocation. Personne ne teste Allah, personne ne contraint Allah. Tu invoques et s'il veut, subhanou, il, te, il te répond, il t'exauce. Mais il n'y a pas de test. C'est comme avec Rokia. Il y a des gens qui n'y croient pas. Je vais essayer, tenter « raqiyah », je vais tenter d'invoquer, voir si ça fait quelque chose, si ça me guérit ou pas, bi'idnillah. C'est une mauvaise intention, à la base, c'est une erreur, ça ne peut pas fonctionner. Tu dois invoquer Allah avec la ferme conviction qu'il va t'exaucer, t'entendre. De même, tu entreprends les soins pour « raqiyah », tu fais la lecture du Coran, parce que c'est ça « raqiyah », où tu récites sur des ingrédients tels que l'eau, l'huile, le miel, etc., avec une ferme conviction et intention. Pas juste pour essayer. Hein, quand on dit aux gens, tu es angoissé, fais tel zikr, tel apkar. Ah, je vais essayer. Mais le font sans conviction. C'est pas possible. Un cœur distrait, et finalement, un cœur qui ne croit pas, quand on dit qu'il ne croit pas, ça ne veut pas dire qu'il a renié Allah, mais un cœur qui doute, qui doute de, du bien fondé de ce zikr, et ben c'est un cœur qui ne peut pas recevoir de l'autre côté l'apaisement. Pour être apaisé, notamment lors d'une angoisse, il faut être convaincu que ce vic va être utile, Ibn 16 Seizième erreur, invoquer Allah en ayant des desseins coupables. C'est le cas de toute personne qui demande à Allah de lui accorder la richesse, mais avec une mauvaise intention. Des desseins, c'est des intentions, des objectifs. Donc, celui qui demande la richesse à Allah, mais pas afin d'être à l'aise pour mettre bien sa famille ou aider les plus démunis, non, afin de s'en enorgueillir ou dans le but de commettre des méfaits avec cet argent-là. Il a une mauvaise intention. Il y de même pour celui qui demande à Allah de lui donner le pouvoir, dans le dessein, de l'utiliser pour combattre ou dominer les bons croyants. Donc non, tu ne demandes pas le pouvoir pour faire du mal, tu ne demandes pas l'argent pour faire le haram. De même, tu ne vas pas dire, voilà, oh facilite-moi le mariage avec cette femme-là, alors que tu as l'intention de l'écraser ou de lui nuire, etc. C'est-à-dire que tu invoques Allah pour atteindre un noble objectif. 17e. Ne Comptez que sur son prochain en matière d'invocation. Il y en a, ils font comme ça. Hein ils invoquent pas eux-mêmes. Ma mère, ma grand-mère, mon père, il est à l'hôpital. Eux-mêmes, ils n'ont pas invoqué. Ajib, eux-mêmes, ils n'ont pas invoqué. Ils sont déjà là, à demander à Foulen, 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 Foulen d'invoquer pour le père, le grand-père, la mère, la grand-mère, le ceci, le cela. Ils ne font que de demander des doigts aux gens, mais eux-mêmes, ils n'ont même pas levé les mains, ils n'ont même pas fait un saut de joute pour demander à Allah. Là, guérison de cette personne aimée et proche. Il y a un souci. Quant après à dire est-ce que c'est permis ou non, c'est toléré. C'est toléré. On ne va pas dire que c'est interdit ou quoi. Même si, ça, ça ne reste encore une fois que mon avis. Je trouve que dans des moments comme ça, justement, il euh, y a un euh, d'intimité. Avoir un proche à l'hôpital, je trouve que c'est un moment d'intimité. Je, là je parle à personne, je me retrouve plus dans le fait justement de n'en parler à personne et d'en me re, remettre à Allah seul et de faire des doigts de faire des doigts le plus sincèrement possible notamment si quelqu'un est à l'hôpital on va l'invoquer par son nom Ash-Shafi ya Shafi, yeah, shafi guéri, ma grand-mère guéri, mon grand-père guéri, mon père guéri, ma mère guéri, fou la nam. je et ça n'engage que moi me retrouve plus dans cette dans cette dans cette attitude plutôt que de dire je vais faire un post sur les réseaux et comme ça je trouve ça impudique personnellement. Ça, personnellement, je le trouve impudique, mais on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux de nos jours. Voilà, des gens qui exposent euh, les, les cas de leur, de, leur, de leur famille. Sans compter qu'il n'y a pas que des amis qui te suivent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se réjouissent. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, tu des chariotines qui te détestent et qui souhaitent ta chute et qui souhaitent que tu sois malheureux. Donc le fait de te savoir triste parce qu'un de tes proches est à l'hôpital... En vérité, aussi fou que ça puisse paraître, ça les réjouit. Il y a des gens ils aiment le mal. D'accord Donc en allant exposer cette chose-là, même si ça peut paraître tordu, hein, j'entends bien. Et c'est pas une question de mauvais soupçon, c'est une question d'avoir les yeux en face des trous, comme on dit. C'est la réalité. T as des gens qui vont s'attrister pour ton cas, et qui vont effectivement te faire des doigts. T'as des, des gens qui vont compatir. T'as des gens qui n'ont rien à faire. Et t'as des gens ils se frottent les mains du fait que tu souffres. Pourquoi tu exposes ta peine Pourquoi tu te précipites d'aller sur Internet en plus et même pas les demander à ton voisin, euh, à de la famille ou quoi, ou qu'est-ce. Aujourd'hui, on répand ça euh, chez les inconnus. Je parlais, approchez hein, à l'hôpital, mais ça peut être autre chose. Tu as les problèmes de ceci, tu es comme ça, tu es ci, tu es ça. Directement, au lieu d'aller faire la cause la plus simple, la plus directe, à savoir faire de raka, faire soujoud, ou même lever les mains directement et demander à Allah, toi, par toi-même. Et tu l'invoques seul et sans associer. C'est le chemin le plus court. Au lieu de faire ça, les gens, ils passent par d'autres gens. Ajib. Même si c'est pas interdit de demander à des gens le doha. Mais je trouve ça étonnant. Donc ça, c'est une erreur. C'est-à-dire quand on compte que sur son prochain en matière d'invocation. En effet, nombreux sont ceux qui n'ont de cesse de solliciter des tiers, des bénédictions et invocations. S'abstenant eux-mêmes d'invoquer Allah Jallah sous prétexte que ce sont des pécheurs. Ah hein, mais moi, je suis ci, je suis ça. C'est pas la question de ton cas à toi. Tu invoques le Seigneur. Toi, ton cas, c'est autre chose. Aussi, les voit-on constamment faire appel aux ulama et aux pieux. Bien que le fait de solliciter des invocations de son prochain ne soit en rien illicite, comme je vous le disais, cette façon de faire comporte les inconvénients suivants. Il y a en cela une forme de mendicité. Ah, J'osais pas le dire. Le Chir en parle. C'est ce que je, je, je voulais dire quand je disais. Ah, il n'a même pas invoqué lui-même pour euh, tel et tel proche à l'hôpital. Et il est déjà en train de demander partout sur Internet ou partout dehors ou partout à la mosquée ok, Je trouve que c'est un comportement de mendiant. Oui, même mendier des invocations, ça existe. C'est pas de l'argent, c'est des invocations. C'est-à-dire que tu te dis, tu peux pas te débrouiller tout seul. D'autant plus, après, ça encore une fois, ça n'engage que le jeu. Je trouve, je trouve, qu'on a du mal à se projeter dans un doigt sincère, Wallah quand on ne connaît absolument pas la personne. Quand c'est ta grand-mère, ta mère, ton grand-père, ton père, ton oncle, ton frère, ta sœur, qui a tel problème toi tu invoques, ou des gens qui te connaissent effectivement te font des invocations mais on cerne la personne il y a une forme d'âme de, de sincérité, on se projette mais tu demandes à des gens que tu ne connais absolument pas d'invoquer pour ta grand-mère admettons, ou ta mère comment veux-tu comment veux-tu que les gens ils mettent du cœur à l'ouvrage comme on dit ils ne se sentent pas concernés même si effectivement on doit se sentir concerné de l'ensemble de la communauté et quand un membre de la communauté souffre, c'est l'entièreté de la communauté qui souffre. Normalement. C'est stipulé dans le hadith. Normalement. Comme disait le prophète, sallallahu sal alayhi wa sallam, oui, normalement. Mais de nos jours, sincèrement, interrogez-vous. Quand on vous envoie, invoque pour un tel, invoque pour un tel, invoque pour un tel, invoque pour un tel. Déjà, ça fatigue. C'est une vérité. D'où la phrase du shir, c'est une forme de mendicité. Ça fatigue. Ça fatigue d'être sollicité constamment pour ces choses-là. Premièrement. Et je trouve, et encore une fois, ça n'engage que le jeu, qu'on a du mal à se projeter. On ne visualise même pas la personne. On ne sait pas qui elle est. On a, on a du mal vraiment à, à, euh, à se concentrer et même être ardent dans, dans cette invocation-là. Donc je pense, ces gens-là, mieux de s'abstenir et de se débrouiller par eux-mêmes, ça n'en sera que plus bénéfique. Donc, premièrement, c'est une forme de mendicité. Deuxièmement, cette manière de faire peut amener le fidèle à abandonner l'invocation Et ne compter que sur autrui dans ce domaine Donc il invoque pas Allah Il oublie cette adoration Parce que commencer on l'invocation c'est l'adoration Donc tu délaisses une adoration Allah il t'éprouve Mais il te facilite les bonnes œuvres. Parce qu'en t'éprouvant, il te facilite la voie de quoi Du Doha Toi tu délaisses en allant demander aux gens Taïb, deuxièmement Et troisièmement, en principe, l'homme doit lui-même invoquer Allah Et non pas les autres à sa place Ça c'est la base La base, c'est que tu invoques Allah pour tes besoins, pour tes proches, etc. Pas tu demandes aux gens, même si c'est toléré. Quatrièmement, cette démarche peut être nuisible à la personne sollicitée en ce sens qu'elle l'incite à penser qu'elle est une personne élue, dont les invocations sont toujours entendues. Ce type de pensée est susceptible de causer sa perte. Eh oui, quand on vient toujours te solliciter en disant « invoque pour moi »,« invoque pour un tel », etc., tu peux prendre entre guillemets la grosse tête, comme on dit. Te sentir à l'abri, te dire « moi je suis pieux, je suis une personne pieuse, je suis élue, on me demande toujours, etc. » Mes doigts vont toujours être exaucés entendus. Ça c'est grave. Donc ça peut être gênant aussi pour la personne qui est toujours sollicitée. Voilà pourquoi on ne doit guère s'en remettre à autrui en matière d'invocation et omettre d'en faire soi-même sous prétexte qu'on est pécheur et que l'on ne mérite pas d'être exaucé. Au contraire, on se doit d'invoquer constamment à Allah, de penser du bien de lui et de considérer comme immense sa générosité et sa miséricorde même si tu es un grand pécheur, invoque Allah quand même. Il te répondra peut-être, il t'exaucera peut-être. Sois sincère dans ton doigt. En effet, quels que soient les péchés commis, la miséricorde d'Allah est à la portée du fidèle. Elle dépasse les péchés du serviteur. Il va sans dire qu'Allah, qui exauce même les polythéistes dans la détresse, répond plus volontiers aux croyants qui ont commis des péchés. Oui, tu as commis des fautes. Oui, on se montait une baisse de foi. Oui, tu n'es pas au top. Oui, tu fais moult péchés, mais tu restes croyant, musulman. Tu es dans la détresse. Tu pleures, tu invoques Allah. Tu es dans la gêne. Sache que dans la gêne, et on l'avait vu dans les cours précédents, dans la détresse, Allah il répond même aux polythéistes. Dans la grande détresse. Que dire donc d'un musulman Tu n'as donc besoin de personne. Il est rapporté à ce propos qu'un homme vint dire à Malik ibn Dinar Rahmullah, je te conjure par Allah d'invoquer Allah en ma faveur car je suis acculé par les peines. Malik lui dit Si tel est le cas, invoque-le toi-même. Car Allah exauce toute personne acculée par les peines quand elle l'invoque. Là, ça c'est rapporté dans Al-Jami', les euh, a quran del-Qurtubi. Par ailleurs, Ubaydullah ibn Abi Salih rapporte Quand Tawus vint un jour me rendre visite à l'occasion d'une maladie, je lui dis Ô oh, père d'Abdulrahman, invoque Allah en ma faveur. C'est-à-dire que les malades, hein, il est malade et dit à Taous, invoque Allah en ma faveur. Et Taos, il lui a répondu, invoque-le toi-même, car il exauce toute personne acculée par les peines quand elle l'invoque. Il a donné la même réponse que Malik. Ça, c'est dans le tafsir euh, d'Ibn Voilà. Donc pour cette 17 septième erreur. 18e. La profusion des fautes et incorrections. Certes, il faut prendre garde, chers frères et sœurs, aux fautes et aux lapsus dans l'invocation. Surtout si ceci altère le sens des phrases. Notamment en arabe. Hein? Si tu ne sais pas parler arabe, alors évite. Si tu as appris quelques doigts en arabe, utilise-les, c'est mieux. Parce qu'elles proviennent, là du Coran et de la Sunna. Walhamdulillah. Mais, si tu joues comme ça avec la langue arabe, tu ne sais pas, et finalement tes phrases ne veulent rien dire, c'est pas bon. Mieux de t'exprimer en français. Allah, il comprend toutes les langues. Mieux de t'exprimer correctement en français. D'accord Donc attention aux fautes, aux lapsus, dans l'invocation. Surtout si ça change le sens. C'est quelque chose de répréhensible, notamment si ces fautes et lapsus sont dues à un manque d'attention. Je disais un manque de connaissance de la langue, mais aussi un manque d'attention. Et surtout si l'auteur est un imam, bien sûr, derrière lesquels euh, les fidèles sont en train de répondre par « Amin ». Donc il faut savoir ce qu'on dit. Encore une fois, le il a dit parmi les choses que l'on doit respecter lors de l'invocation, citons les règles de la grammaire, qui sont les piliers de l'éloquence. Car ce sont ces règles qui lui donnent un sens qui lui donne un sens sans elle, la parole perd toute cohérence et signification. C'est vrai. Pire encore, les fautes et les lapsus transforment souvent le sens de la phrase au point de lui donner une connotation de mécréance. la Fobila, ça c'est le pire. C'est-à-dire que tu vas invoquer Allah pour une chose, mais en vérité, il y a du couf dans ta phrase. Je me permets hein, d'ajouter cela. Ou parfois, tu vas dire du du, du singulier, alors ton doigt, c'est pluriel, ou inversement. Tu vas parler au pluriel alors que c'est du singulier ou tu vas parler du masculin pour le féminin, le féminin pour le masculin. Hein Donc il faut savoir il faut avoir un minimum de connaissances dans la langue arabe pour faire un doha en arabe, faut qu'il soit adapté. Hein À titre d'exemple, donc euh, dit "Iyyaka na'budu ya iyyaka nasta'in" qui veut dire c'est toi Allah que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. C'est dans Al-Fatiha et c'est un doa que tu demandes. Change complètement de sens si on lit comme suit. Iyyaka na'budu wa ka nasta'in. En effet, Iyaka » J'exagère exprès. Chadda sur le ya. ka qui comporte donc une double consonne, ya shadda. Et le pronom complément de la deuxième personne du singulier. Par contre, Yak, hein Sans sur le ya. Yak, qui comporte donc une seule consonne, le ya, veut dire ton soleil. Vu que ya veut dire la lumière du soleil en arabe. Lue donc de cette manière, la phrase devient c'est ton soleil que nous adorons et c'est de ton soleil que nous appelerons secours. Cette lecture, cette lecture, pardon, exprime sans contexte une idée mécréante, même si la personne n'en fait pas exprès. Beaucoup de gens ne savent pas réciter le fattiha. Voilà. Ils s'engagent dans d'autres su sujets, ils parlent de bon nombre de choses dans le din, etc. Ils avancent même sur d'autres choses, mais ils ne savent déjà pas rester à le Fatiha. Ils disent, « ya na'abudu wa iyaka nasta'in » et ça veut dire, c'est ton soleil que nous adorons et c'est de ton soleil dont nous appellerons le secours. « Wallah al-musta'in C'est plutôt, « Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in » et bien marqué la d'un. Fin de citation. El Al-Khattabi » aussi ajoute, Ahmed ibn Hambal, ibn Ibrahim ibn Isma'il, Rahmullah m'a dit que ibni el Marzaban leur a rapporté qu'un jour el Isma'il passa près d'un homme qui disait dans son invocation Ya al Jalal wal Ikram en arabe ou en bon arabe on doit plutôt dire Ya al Jalal wal Ikram oh le plein de majesté et de munificence el Isma'il lui demanda Comment t'appelles-tu L'homme répondit Leif. Et elle esmaye de dire en vers. L'invocation de Leif est clairement entachée d'erreur. Voilà pourquoi elle n'est point exaucée par son Seigneur. Autrement dit, le respect des règles de la langue arabe est requis pendant l'invocation comme nous l'avons déjà vu. Toutefois, si l'individu est incapable d'appliquer ses règles grammaticales, rien ne lui incombe, car Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. D'accord Si tu as la capacité de gérer la grammaire, tu gères la grammaire. Si tu connais que quelques doigts en arabe et tu n'y connais pas plus que ça, tu fais avec ce que tu as. Ou même tu utilises en français, si vraiment c'est une catastrophe, ta prononciation en arabe. Bien sûr, celui par contre qui a la langue arabe et qui, par laxisme, hein, fait ces fautes-là, c'est pas bon. Même celui qui sait parler correctement français, mais qui, on va dire, fait des phrases qui ne veulent rien dire, et eh bien là c'est problématique. Là c'est problématique. Et pour le pour ceux qui n'ont pas vu la différence, oh le plan de majesté et de munificence. L'invocation de l'Eif, c'était ya dhul jalal wal ikram. Et en bon arabe, ce serait plutôt ya dhul jalal wal ikram. Wallahu Alim. 19e erreur. 19e erreur N'accorder aucun intérêt au choix des noms et attributs compatibles avec le contenu de l'invocation, très important. Point très important. Il y en a Bon, ils n'ont pas un... appris, ils n'ont pas étudié. D'où l'importance de l'apprentissage, de l'étude, mes frères et sœurs. Il y en a, ils n'ont pas fait, donc ils vont se contenter de dire « Ya Allah », ce qui est vrai. « Ya Allah hein, », ça englobe tous ces noms. Il n'y a pas de mal en soi, c'est tout ce qu'ils ont. Donc ils vont faire avec ce qu'ils ont, et encore une fois, Allah ne cherche pas une âme au-dessus de sa capacité. « Ya Allah » ou « Ya Rabbi », etc. Mais, si tu peux, et c'est mieux, invoquer Allah avec, hein, tu utilises les noms et attributs qui sont compatible avec le contenu de la vocation, c'est mieux. Et ne pas te contenter, si tu as cette science-là, bien sûr, de « Ya Allah, Ya Rabbi ». On entend souvent, et c'est que ça. Il y en a beaucoup. Justement, on parlait tout à l'heure, « Ya Shafi, Ya Shafi ». Tu parles par rapport à une guérison. « Ya, ya razaka, par rapport à une subsistance. « Ya tawab ou « Ya Afo », pour du pardon. « Ya Latif », par rapport à... Naam cherche une bienveillance, une préservation, etc. et autres, et autres. Non. Donc très souvent on voit des gens qui utilisent des noms et attributs d'Allah qui ne correspondent pas du tout à l'objet de leur demande. Ça, c'est encore hein. autre chose. Je disais, il y en a ils se contentent de Ya Allah, Ya Rabbi. D'accord. Mais c'est bon, ça reste juste. Mais par exemple, il y en a ils vont dire pour demander pardon à Allah Ya Razzaq, même si effectivement Al c'est Allah. Et Allah, c'est Al-Tawab, Al-Afou, Al-Rafir. Bien sûr, bien entendu. Mais ça n'a rien à voir avec l'objet de la demande. Hein? Comme c'est le cas dans les invocations suivantes. Oh Allah, fais-moi miséricorde, ô toi qui infliges le pire des châtiments. C'est complètement l'inverse. Oh Allah, anéantis les mécréants, ô toi qui es le plus miséricordieux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut essayer d'être cohérent et de choisir le nom, avec bien sûr les attributs qui en découlent. Et on sait, si on apprend, le nom qui correspond au contenu de l'invocation. Qu'Allah nous aide, nous accorde une science utile. Vingtièmement, sombrer dans le désespoir et le manque de foi, ça c'est souvent. Il y a des gens qui y invoquent, mais le cœur n'y est pas. Ils invoquent, c'est comme quand ils disent Kheir inshallah. Beaucoup de gens disent Kheir inshallah mais sans y croire. Qu'est-ce que signifie Khayr inshallah? On pourrait faire un cours complet sur Kheir inshallah, c'est du bien, si Allah le veut. C'est-à-dire que c'était convaincu de ça. C'est une chose qui te dépasse. C'est une chose qui t'a attristé. C'est une chose qui a affligé ton nefs. Mais si tu prononces, Khair inshallah, c'est que tu penses, logiquement, hein, parce qu'on doit être en accord avec ce qu'on dit, tu penses que Allah a placé du bien une sagesse en cela. Donc ton cœur, il est apaisé. Mais t'en as qui disent Khair inshallah, par habitude, de la même manière qu'ils soupirait, ils feraient oh. C'est du désespoir. C'est pas correct de dire "khir hey, Inch'Allah dans le désespoir. Au contraire, ce ré hey, Inch'Allah, ça doit te remonter le moral. Parce que c'est le sens qui compte. Donc, en invoquant tout en sombrant dans le désespoir et le manque de foi, il y a un problème. Tu dois être optimiste et plein d'espoir lorsque tu invoques. Nombreux sont des gens, dit le Shirq, qui une fois atteints d'un mal qui semble incurable, renoncent à l'invocation. Je disais euh, désespère même en invoquant, ce serait le moindre mal. Il y en a qui carrément ici, renonce, n'invoque plus, ah, c'est trop, j'en peux plus, j'évoque plus Allah, j'invoque plus Allah, je suis fatigué, c'est trop, et puis je n'aurai jamais de réponse, il désespère, il renonce à l'invocation d'Allah par désespoir et manque de foi, et il ne croit plus vraiment en l'omnipotence d'Allah, qui est à même de changer toute situation, toute situation, peu importe ta difficulté, ta maladie, ta situation, Allah peut retourner cette chose-là. C'est une chose et une affaire certes facile pour lui, Subhanahu wa Donc il ne faut jamais désespérer de l'invoquer et ne jamais désespérer d'un éventuel changement, même si les se prolongent, que ce soit une maladie, euh, une situation financière délicate, les problèmes familiaux, et ceci et cela. Un manque même de science. Il y a des gens qui peinent à apprendre tel et tel et tel sujet. Continue de faire des causes et continue d'invoquer Allah. Et etc. La situation des gouverneurs. Alors on va pas invoquer pour que les gouverneurs ils se réforment. Parce que de toute façon, ils sont pourris. Ils sont à l'image du peuple déjà, comme on l'a déjà dit. D'accord Mais il y en a, ils désespèrent. Ils disent qu'il y a des situations qui ne changeront jamais. Non. Il faut invoquer Allah avec espoir. Il est capable de toute chose. Il est omnipotent. Il se peut que shaitan, donc à ces gens-là, leur suggère que l'invocation est inutile dans ce type de situation. C'est terrible. Exemple, quand un malade apprend qu'il a atteint un cancer, qu'Allah nous en préserve. Il succombe au désespoir et néglige d'implorer Allah. En outre, il n'est pas rare de voir les siens renoncer aussi à invoquer Allah pour leurs parents malades, sous prétexte que son mal est grave, voire désespéré. C'est une maladie incurable, il n'y a plus rien à faire. Khlas. Invoque Allah, au moins pour qu'il lui pardonne. Cette attitude est une grave erreur et dénote une méconnaissance flagrante d'Allah et de son omnipotence. Parce qu'avec le doigt, Allah il peut soigner ce cancer qu'Allah nous en préserve. Avec le doigt, il y a beaucoup de malades du mal occulte, très atteints, certes, la possession, elle est ein, qui sont redevenus, entre guillemets, je dirais, normales. C'est pas qu'ils sont anormales, mais ils sont touchés. Avec les doigts sincères, avec l'étude du théoride, Éine, Donc, ne jamais négliger la portée et la puissance, mais là du doigt. C'est très important. Très important. Même si, effectivement, la situation peut s'avérer difficile, très difficile. Donc désespérer, c'est une, atti une attitude qui est une grave erreur. Et des notes d'une méconnaissance flagrante d'Allah et de son omnipotence. Je l'ai déjà lu. Afwan. Gloire et pureté à Allah. Subhanallah il alim. Ces gens ont-ils oublié qu'Allah est omnipotent Ne savent-ils pas qu'il tient les rênes de toutes chose? Et quand il dit une chose, soit cette chose se réalise instantanément, soit kun, faya kun. ne se rendent-ils pas compte que celui qui a prédestiné la douleur cette douleur ressentie à ce moment-là est à même de la soulager également. La peine que tu ressens à ce moment-là, Allah te l'a écrite et prédestinée. Mais Allah peut te l'enlever. C'est lui qui est garant de toute chose. Nam. Ignore-t-il aussi que l'invocation est un acte d'adoration en soi? Que l'attente de l'exaucement, cette patience dans l'attente donc de l'exaucement, est une des plus nobles adorations. Tu invoques ton Seigneur, puis tu espères de lui. Tu attends. Tu as envoyé ta demande au Seigneur des cieux et de la terre, puis tu attends. Tu patientes en continuant le vic, en continuant les deux a, mais tu attends une réponse. Tu es en pleine adoration du début à la fin. Comment donc se passer de cela Comment abandonner cela L'essence du bonheur et de la gloire n'est-elle pas dans l'humilité vis-à-vis d'Allah et d'avoir recours à lui Justement, on le disait avant. Bien mieux. Ne savent-ils pas qu'Allah peut guérir ou alléger les souffrances. Ne savent-ils pas que, grâce à cette invocation, Allah accorde souvent une santé ou un état de raffermissement, de quiétude et de satisfaction bien meilleur que ce qu'on aurait pu obtenir sans l'épreuve de la maladie? Combien de malades sont devenus en meilleure forme à la suite d'une maladie? Justement via les Doha. T'as même des malades, et on ne dit pas qu'il faut se passer des médicaments et des causes, qui ont plus guéri la via l'invocation que via le traitement. Hein? Ça, c'est des gens qui sont ignorants. De la puissance et de l'omnipotence de leur Seigneur. D'accord Et notamment les, les coffres en tête, hein, ils s'en remettent qu'aux médicaments. En général, j'ai bien dit en général, et qu'Allah nous préserve, il y a une grande différence entre un malade grave, hein, je parle, même malade de manière bénigne, ou bien plus grave, une grande différence entre un malade musulman et un malade mécréant. En général, les mécréants se laissent beaucoup plus vite aller que les croyants. Parce qu'ils n'invoquent pas. Ils s'en remettent qu'aux traitements, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus d'espoir, et là, s'ils arrêtent. Et ils périssent plus rapidement. Les musulmans sont plus résistants. Pas parce qu'ils sont constitués différemment, mais parce qu'ils ont un tawhid. Et en fonction du degré de tawhid dans le cœur, la personne sera plus costaud, si je puis dire. Sera plus raffermie en vérité. Pas parce qu'elle est forte dans son essence, mais parce qu'elle est raffermie par le Seigneur des cieux et de la terre. On peut donc dire, ou plutôt, on peut en dire autant, hein de ceux qui souffrent de la stérilité. Ou ont du mal à procréer. Des gens, ils ne peuvent pas procréer, et d'autres qui ont du mal. Certains omettent d'invoquer Allah. Ils ont dit, c'est comme ça, c'est une fatalité. Ils omettent de lui demander une pieuse descendance, sous prétexte que la descendance est prédestinée et qu'il serait inutile d'implorer pour cette cause. Encore une fois, bon nombre de personnes stériles ont vu leur situation changer via l'accomplissement ardent d'invocations. Eh oui, et eh oui, et ça existe, et il y en a. Et d'autres, effectivement, sont restés comme ça. Ce type de parole est indigne du musulman. En vérité, c'est Allah qui a prédestiné la stérilité et le retard de la reproduction. Et il est le seul capable de donner à ces gens une progéniture. Ceci est certainement de son essor, étant donné que le destin est son œuvre et que l'univers est sa propriété. Je répète, le destin, c'est l'œuvre d'Allah et l'univers, c'est sa propriété. Il fait ce qu'il veut. Alors, adresse-toi à lui, subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans l'attente d'un enfant, d'une subsistance, d'une guérison. Et ne dénigre pas ton mal. Et ne désespère pas. Il y a une sagesse, il y a un bien dans ton une épreuve. Même si je dis elle dure, elle dure, elle dure, elle se prolonge, elle évolue. Peu importe. Ne désespère pas. Allah peut changer ta situation. Hein Allah peut changer ta situation. Allah peut l'améliorer. Il est capable de toute chose. D'accord Donc ne vois pas ta situation comme étant ou là un fardeau ou une fatalité mais plutôt une épreuve que tu dois braver et un seigneur à qui tu dois t'adresser justement via cette épreuve, via la cause de cette épreuve pourquoi donc perdre espoir en la miséricorde divine à ce propos, citons le cas de Zacharie à... qui implora Allah en ces termes alors Zacharie a prié à son seigneur et dit ô oh, mon seigneur donne moi venant de toi une excellente descendance car tu es celui qui entend bien la prière surat al-imran verset 38 dans le sens D'accord Chers frères et sœurs, donc, n'omettez jamais d'invoquer Allah. N'oubliez pas d'invoquer Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Gardez le nom d'Allah sur vos langues. Même si effectivement, certaines situations peuvent s'avérer euh, parfois pénibles. On a vu bon nombre de changements. On a vu bon nombre de changements via la cause des invocations. Le Coran nous rapporte la suite qui fut donnée à son invocation, c'est-à-dire de Zachariah. Alors les anges l'applairent, pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Et c'est le verset suivant de la même Surah. Zachariah fit cette invocation alors qu'il était devenu très vieux et que sa femme était stérile. Imaginez, double peine. Lui il est très vieux, on sait que c'est plus difficile. Le sperme, il est de, même s'il est toujours là, mais de moins bonne qualité pour procréer, et la femme est stérile. Par ailleurs, donc on voit des parents, pour revenir au sujet, clôturer Zacharia, voilà cette petite parenthèse, et par ailleurs, on voit des parents qui face à l'inconduite de leurs enfants, c'est-à-dire le mauvais comportement, le délaissement du dîne, le manque de respect, les bêtises, la délinquance, ce que vous voulez. Un petit enfant ou un enfant plus âgé? Bien, par rapport à cela, tu as des parents qui perdent espoir et abandonnent toute invocation. Subhanallah. Comment peut-on perdre espoir en la miséricorde divine Ne serait-ce hein, que par le fait de tourner le dos à cette miséricorde Certes, on se doit toujours d'avoir à l'esprit que l'invocation des parents pour leur progéniture est exaucée d'office et que ces bonnes invocations peuvent finir par atteindre leur destination ou leur destinataire, même si ce n'est pas sur l'instant. Et les gens s'impatientent en vérité. J'avais eu le cas comme ça d'une femme qui disait j'ai plus 3, 4 enfants dont des grands et ils prient pas, ils fument, ils boivent, ils forniquent, etc. Et la musique et le, les sorties et le quartier, etc. Pourtant j'ai fait ce que j'ai pu pour les éduquer dans le dîner, etc., etc. Je dis patiente ma soeur, c'est une épreuve. Cette mère désespère en quelque sorte. Elle désespère par cette demande-là. Elle dit je ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Invoque Allah. Mais comme il n'y a pas de réponse sur l'instant, Allah teste sa patience, alors le nefs de cette personne, mais de bon nombre d'autres personnes aussi, eh bien, euh, lâche, lâche prise, lâche l'affaire, comme on dit, et désespère. Et ça, c'est l'erreur. Parce que ce n'est pas forcément sur l'instant qu'il y a le résultat. Mais toi, tu dois invoquer jour et nuit, justement, pour ces enfants désobéissants. Et qu'Allah les guide. Non. Il se peut en effet que l'effet de l'invocation se manifeste du vivant des parents. De sorte qu'ils puissent se réjouir visuellement de la droiture dont feront montre leurs enfants, comme il se peut aussi que l'effet de l'invocation se manifeste un peu plus tard, après le décès des parents. De sorte que ces derniers jouissent des prières que leurs enfants feront à leur attention. D'accord Il y a des gens, ils ne sont pas guidés quand toi tu veux qu'ils soient guidés, mais invoque pour ces gens-là. Peut-être tu le verras, peut-être tu le verras pas. C'est comme être dawa. Tu fais dawa, tu sèmes des graines. Tu n'es qu'un semeur de graines. Tu envoies du bien Tu dois faire da'wa encore une fois avec sagesse et science et pas comme tu as envie comme on voit aujourd'hui malheureusement sur internet <coughs> tout le monde fait da'wa et répand tout et n'importe quoi, il y a rien d'authentique, il y a rien de légiféré, c'est je parle de ma tête, ça c'est pas une da'wa. Ou si c'est une da'wa shaitaniya. mais c'est pas la da'wa salafie, c'est pas la da'wa al-haq. Donc là il y a problème. Mais si ta da'wa est sahih, continue de planter ses graines même si les gens sont contre toi. Même si tu ne vois pas les gens changer quand tu fais le rappel, continue de propager le bien. Peut-être que tu verras des fruits, Inch'Allah ou tard. Peut-être pas. Mais, Inch'Allah, tu auras semé. Et tôt ou tard, ça finit par pousser. Donc, pareil pour les enfants. Ne jamais désespérer. Continue de faire le rappel, et de faire des doigts. Et puis, et puis laisse faire. D'autre part, de toute façon, quel préjudice subit-on en invoquant? Au pire. vous dis, mes enfants, ils reviennent pas. Mais l'invocation est une adoration. Invoque Allah jusqu'au bout pour eux. Toi, tu prends les hassanates de toute façon en invoquant. Quoi qu'il en soit, les parents doivent bien comprendre que l'enfant leur appartient. Quand on dit leur appartient, c'est une image. Comme dit l'adage arabe. Bien que ton nez coule, c'est tout de même une partie de ton corps. Ton origine t'appartient, même si elle n'est pas fameuse. Eh oui, l'enfant reste ton enfant. Tu l'aimeras à coûte que coûte. Ah Et puis il faut aussi parfois se remettre en question. Parce que de dire mon enfant, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça mais s'oublier soi-même, c'est une erreur aussi. Ton enfant, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça, mais il est bien souvent à ton image. Et même si ce n'est pas à ton image actuelle, c'est ton image d'antan. L'enfant, l'enfant, il est l'éponge de ses deux parents. Il a pris de ses deux parents. Donc s'il est violent. C'est que les parents ou un des parents a été violent. Vulgaire, pareil. L'axis d'Andine, pareil. Il n'y a pas de secret, mes frères et sœurs. Certains vont dire, oui, mais ça, c'était il y a longtemps. Mais ça a marqué l'enfant. Toi, tu as fait ta depuis. Toi, tu es revenu, alhamdoulilah. Comme quoi, tu vois, ne désespère pas. Mais il fut un temps où tu étais égaré. Toi ou ton conjoint. Et donc, l'enfant a été marqué par cela. Donc, forcément. Donc, forcément, hein, ça a découlé des mauvais comportements, etc. Il n'y a, a pas de mystère, il n'y a pas de, de secret. Donc il faut aussi se remettre en question euh, par rapport à ce qu'on sème, hein, si on veut récolter du, du bien. Quoi qu'il en soit, l'enfant, comme on dit, il t'appartient, il est de toi. Donc de toute façon, tu y es rattaché quoi qu'il arrive. Cela vaut aussi pour ces musulmans qui, à la vue des dissensions qui dominent la communauté, se laissent gagner par le désespoir. Je disais tout à l'heure, les gouverneurs. Hein, mais aussi tout ce qui se passe dans la Ummah, <coughs> Quand on te leur dit prier pour les musulmans, prier pour les gouverneurs, ils hochent la tête. Ils hochent la tête pour dire que la situation est désespérée. Qu'ils sont tous perdus. D'ailleurs, celui qui pense que les gens sont perdus, c'est lui le plus perdu des perdus. Comme l'a dit le prophète. alayhi Et donc ces gens-là prétendent qu'il est vain d'invoquer. Les gens, il n'y a plus rien à faire. Les gouverneurs, pareil. Le moins qu'on puisse dire que ces attitudes trahissent un manque de confiance et de foi aux promesses solennelles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc même si effectivement l'état de la Ummah est catastrophique, et on le dit, les gouverneurs c'est une catastrophe aussi, mais ils sont à l'image du peuple encore une fois, il faut continuer d'invoquer et ne pas désespérer d'une quelconque issue. Voilà ce que j'ai pu vous communiquer pour le cours de ce soir, on reprendra avec le point numéro 21. Inch'Allah, on essaie à terminer donc, dans un troisième cours le chapitre. Le chapitre 3 donc été divisé en trois parties. Je vais vous citer, Inch'Allah, les derniers points de 21-29. L'évocation en détail, superflu. C'est une erreur. Hein? Tu émets trop de détails dans, dans vocation Je vous expliquerai euh, ce que c'est. Un exemple simple ceux qui vont dire, nah, pardonne à ma mère, ma grand-mère ma tante, mon père, mon grand-père, mon oncle, le fils de mon oncle. Non, pardonne à ma famille, c'est suffisant. Un exemple. 22 deuxièmement utiliser des noms qui ne se trouvent ni dans le Coran, ni dans la Sunnah. Grave erreur. Parce qu'on évoque et invoque Allah que par les noms qui se trouvent dans le livre et dans la Soudna. Hausser la voix. 23 troisièmement hausser la voix excessivement. 24e, invoquer en ces termes. Oh Allah, je ne te demande point de repousser le destin, mais je te demande plutôt de m'y accorder la douceur. On expliquera pourquoi c'est une erreur. Autre point, demander à Allah d'exaucer l'invocation, s'il le veut, dire Inch'Allah après l'invocation. Erreur. 26e, manquer d'humilité. Puis feindre de pleurer, c'est-à-dire mimer les larmes. 28, lorsque l'imam omet d'élever les mains en demandant la pluie dans le sermon du vendredi. Et 29e, allonger le konot, c'est-à-dire sceller les doigts, dans une unité de prière en faisant des invocations inopportunes. Alors que le Qonout ça doit être pour un besoin bien particulier, ça doit être assez court. Cool. Voilà, on terminera inshallah ta'ala donc avec un un cours sur ces points-là. Wa <t> subhanahu <'en> wa ta'ala a'lam wa ahkam subhanaka humma <-houd> wa bihamdika ashhadu an la ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wabarakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.